Bonsoir, le soleil a brillé presque partout ce samedi avec des températures fraîches ce matin mais plus estivales cet après-midi. Le soleil sera encore au rendez-vous pour ce dimanche même si on va rajouter quelques passages nuageux le matin entre la Bretagne et la Belgique ou encore dans les régions du sud-ouest avec la possibilité d'une petite averse localisée. L'après-midi ça devrait tourner à l'orage du côté du massif central ou encore vers les Pyrénées, notamment en fin de journée. Quelques nuages entre la Bretagne et la Belgique et puis partout ailleurs un soleil très généreux et puis attention à la soirée avec des orages qui pourraient être localement assez marqués entre les régions situées au sud-ouest et celles du centre-est. Localement, des phénomènes de grêle seront possibles. Les températures de ce dimanche matin seront toujours assez fraîches. On part de 9 degrés pour Vannes pour aller jusqu'à 22 pour Nice. Et dans l'après-midi, un gros contraste entre le nord-ouest et le sud-est. On attend seulement 18 degrés à Cherbourg, 19 pour Brest, mais il fera quand même 25 à Paris, 30 à Mâcon, 34 degrés pour Grenoble et 37 la maximale pour Montpellier. Limar pour Nîmes ainsi que pour Manosque. La journée de lundi avec un ciel un peu plus chaotique attendu entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Quelques orages notamment vers le massif central, le Jura et les Alpes. Le soleil sera franc entre la Vendée et le nord-est et des températures globalement estivales sans excès sauf en Méditerranée où la chaleur va rester forte. Le soleil toujours présent pour mardi, il va même s'affirmer avec un risque d'averse qui reculera exclusivement pour les Alpes et pour les Pyrénées. Le vent assez sensible vers la Méditerranée où la chaleur sera toujours aussi forte, température de 23 le matin à Marseille et de 35 l'après-midi. C'est bien plus respirable au nord, 21 pour Caen, 22 à Bruxelles et 26 pour Paris. La suite avec mercredi et jeudi, des journées alternant entre nuages et éclaircies, un soleil toujours plus franc dans le sud avec une chaleur plus marquée en Méditerranée. On parlera seulement de douceur dans le nord avec un ciel changeant. Et puis le soleil s'affirmerait en fin de semaine pour vendredi, puis pour le week-end prochain avec une chaleur de plus en plus nette qui devrait se générer. Une chaleur respirable au nord et de plus en plus forte dans le sud. On termine avec une photo d'un ciel tout bleu cet après-midi du côté de Ruffac en Charente. Comme dans de nombreuses régions françaises, il a fait très beau aujourd'hui. Une température de 29 degrés dans ce secteur. Demain, dimanche 3 juillet, nous fêterons la Saint-Thomas. Bonne soirée, excellent dimanche et à demain.